C'est tellement simple, l'amour. Tellement possible, l'amour. À qui l'entend, regarde tout. À qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant, qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher. Yeah, l'homme Dieu j'y veux. Bon.
담아 벙벅을 나보고 더 벙담하마 예 l'homme de Jivu 자무스 무이염 쥐빼이 비투피 카페그 텔마 도키덕치 비무그무 예 Honnête de mes patrons, j'amuse le moyen du pays, mais tu peux qu'à refaire le mal, tout qui dort sur le monde. Yeah, au gongé la ra, bang dam hama, bang gore la popo, de bang dam hama. Bungogla popo, the bungdam hama, yeah, l'homme de Jivu. Shemdanit mpo patron, shemmenit mpo simtron. Shamanitum Ma femme, t'es la plus belle dans tout l'univers et le ciel. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Pour te décrire, y a pas de mots. T'es ma femme, t'es la plus douce et ça me fout parfois la frousse. Juste à l'idée que je pourrais te perdre, je voudrais mourir. J'en perds le verbe. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis. Mes mains, mon regard et ma voix. Mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je te jure sur mon âme et le ciel. Chacun de mes je t'aime sera éternel. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je conjugue notre amour au pluriel. L'imparfait de nos peines en mille bouquets de poèmes. T'es ma femme, t'es la plus douce. Je t'aime en blonde, brune ou rousse. Je t'aime en robe, en pyjama. J'aime tes défauts, je t'aime toi. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis. Mes mains, mon regard et ma voix. Mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je te jure sur mon âme et le ciel. Que chacun de mes je t'aime sera éternel. Oh,
femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis, mes mains, mon regard et ma voix, mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je te jure sur mon âme et le ciel que chacun m'est je t'aime sera éternel. Donaléo. Bonjour Juliette. Bonjour Monsieur Lévy. Ton gars Roméo, Roméo. Raoul. Je pensais que c'est Raoul. Mais quand je viens de match avec Roméo, là, je viens de Roméo. Raoul, arrête. Mm-hmm. On fait un peu, vous te faites parader partout. Vous voici le petit temps de son prénom. Mm-hmm. Ok. Et tout à l'heure, tu te téléphones là, tu devrais donner l'explication. C'était pour qui? C'était pour mon chéri, je suis démarrée juste le matin, quelques minutes. C'est lui qui s'appelle comme ça? Oui, je pense, c'est lui. Et si c'est mon chéri? Ah, je vais juste lui demander du matin quelques minutes parce que je ne suis pas encore finie maintenant. Je m'apprête pour lui. J'espère vraiment que je vais vraiment lui satisfaire et qu'il sera heureux de me voir. Et qu'est-ce que tu promets à ton doux bébé? Je promets, je pense vraiment que on doit enseigner encore davantage et que on pourra être heureux tous les deux, on pourra vraiment être une famille soudée. Bon, c'est un peu ça. Merci, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, Ludo. Allô? Oui, allô, mon chéri. Oui, tu dis quoi? J'arrive. T'inquiète, je suis en route. Je te m'assieds 10 minutes. Je me fais belle pour toi, en fait. Donc, attends-moi quelques minutes. Bisous. Ah bon, oui, c'est normal, non. Ok, bye bye, à plus. Quand on a décidé de vivre ensemble, nous n'avions qu'un peu d'amour à partager. Aujourd'hui, tant de choses nous rassemblent. Même si quelquefois j'ai voulu tout quitter, ma vie c'est toi. En cherchant ce qui fait le bonheur de l'autre, on arrive à s'aimer sans se cacher. On arrive à se dire les mots les plus doux, les mots les plus fous, sans jamais se lasser. Ma vie c'est toi, et rien que toi, je suis si bien. Passer de l'amour à la tendresse, ce qu'il faut, c'est savoir tout pardonner. Nous n'avions pour bagage que nos caresses, mais au fond de nous-mêmes, le désir de tout donner. Ma vie, c'est toi, et rien que toi, je suis si bien.
the flow, yeah. This is another DJ Cruz Bay. Si je me mettais à peindre ton visage, il ne me faudrait pas plus de place que dans mon carreau. Si tu me promettais de décrocher la lune, pour moi, je te retiendrai. Car une minute sans toi me semble être une éternité. Aïe oh, et mon bébé, sur mon visage je dessine des sourires. J'en fais des clichés pour pouvoir retenir au plus profond de moi nos souvenirs. Yeah, yeah. Mon bébé, tout le bonheur que tu me transmets, à tes côtés je le partagerai. Toujours plus pour pouvoir encore plus aimer. Yeah. Entre mes sourires, bébé, t'es mon pilier, ma carte joker, le seul qui se lie entre mes sourires.
Votre entrée dans la cour des grands tout à l'heure. Je ne peux pas être un vieux mari et commencer par vous, vous voyez, parce que vous ne savez même pas de quoi il est question. On est d'accord, les vieux mariés? D'accord, applaudissez pour les enfants. Remettez le sac de votre future épouse à sa robe. Ça va vous encombrer, ma fille, parce que tout à l'heure, vous aurez beaucoup de gestes à faire. Vous allez aussi vous séparer de votre bague de fiançailles. Donnez, voilà. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Ouais. Sécurise ça quelque part. Donne à maman. C'est l'officier. Est-ce qu'on va applaudir très fort? Est-ce que vous en allez comme ça? On va saluer les mariés en dernier. Ce sont les célibataires. Le témoin du marié, le chef de famille du marié. Maintenant, on va mettre les célibataires. Le futur marié, la future mariée. Mesdames, messieurs, soyez les chaleureux bienvenus et veuillez vous asseoir. Merci. Non, monsieur, répondez fort. Monsieur Nipilio Kawe Amani Raoul. Oui, monsieur l'officier. Consentez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Changi Juliette? Vous soulevez la main droite pour dire oui, monsieur l'officier, je le veux. Oui, monsieur l'officier, je le consens. On applaudit très fort. Mademoiselle Changi Juliette, épouse. Monsieur Nipilio Kawe Amani Raoul, vous serez la même voix pour dire oui, monsieur l'officier, je le veux. Oui, monsieur l'officier, je le veux. Adonna, bonjour. Vraiment, veuillez vous asseoir. Tous les préalables sont 16. Voilà. Les trois maîtres vous constituent le socle de mariage. Fidélité, en premier lieu. Secours et assistance. À l'article 213, le directeur a prévu que l'homme est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Au paragraphe B du même article, le directeur prévient que la femme concourt avec son mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Au paragraphe C, enfin, le directeur prévient que la femme remplace le mari dans les fonctions de chef de famille lorsque celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté à raison de son éloignement, de la maladie ou de toute autre cause. Dès que monsieur n'est pas là,
Alors Juliette, tu prends le bâton de commandement, tu n'attends pas. Quand ton père est souvent malade, les soeurs d'aller ensemble rendre visite, vous achetez le comprimé, non? Quand il n'est pas là, tu vas faire la même chose et tu achètes le même comprimé comme s'il était là. Parce que tu le remplaces totalement. Quand c'est son père, tu fais la même chose. N'est-ce pas? C'est lui qui fait ça. Donc, quand tu prends le commandement là, tu mélanges tes fonctions de ministre de l'Intérieur avec les fonctions de premier ministre, chef de gouvernement. Hey, tu prends le pouvoir, tu confies. C'est ça. Bien. À l'article 214, le législateur a prévu que la femme s'acquitte de ses contributions aux charges du ménage par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources dont l'administration lui est réservée. Si l'un des époux ne respecte pas ces conditions, il peut être poursuivi par l'autre époux sous les formes prévues à l'article 864 du Code de procédure civile. Alors, avoir même à regarder Raoul et Juliette, on sent que l'amour qui les anime. Ils ne peuvent même pas arriver à cet article-là. Parce qu'ils s'aiment bien. Elles avaient dit qu'ils vont bien se. On s'arrête pour bien comprendre l'article. Tout à l'heure, je vais vous demander le régime matrimonial. Vous allez choisir entre la polygamie et la monogamie. Et vous allez simplement choisir. On va mettre avec le tampon rouge sur le document officiel. Mais on ne vous demandera pas la forme de votre mariage, qui veut dire bien commun ou bien séparé. L'officier d'état civil ne sépare pas les biens de vous. C'est le notaire qui sépare les biens. Alors, vous sortez ici. Vous avez les biens communs. Ce qui appartient à Juliette appartient à Raoul. Ce qui appartient à Raoul appartient à Juliette. Donc, si le père de Juliette lui donne une voiture comme cadeau de mariage, Raoul, ouvre-moi avec le plus beau, ne va pas prendre le cross. Ouvre-moi avec le plus beau, ça t'appartient aussi. Hein, oui. Et c'est lui, c'est ça, qui fait la même chose de Juliette. N'aie pas peur. Hein? Ce qui appartient, appartient. Rien à faire. Et alors, vous devez revenir au niveau des corps quotidiens. Pour construire efficacement votre couple, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que personne n'a le droit de cacher à l'autre, c'est revenu. Non, c'est ça, c'est la loi qui vous interdit. Alors, à l'article 215, le législateur a prévu que le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée de venir avec lui et il est tenu de la recevoir. Cela veut dire tout simplement que vous allez habiter la même maison. Vous allez avoir la même chambre et dormir sur le même lit. Parce que le foyer conjugal, le couple se consomme sous le lit conjugal.